Now he's stuck inside there. We have been trying to and attempting to get him released. We hope also then wish the best for all our citizens, our brothers and sisters that are in the kettle right now, being arrested for nothing but opposition to the political will of a dictator called Janshari. Amir Kadir, member of National Assembly, is now on the scene. He's attempting to speak to the police. We've seen this scene happen before, a month ago, at the Palais de Congrès, the second day of the Plan Nord debacle, when people were masqueraded. Je vous en prie, jeune homme. Je suis ici quelque part avec vous. Merci. Oui. So you're live for CUTV. Oui. So what did you... Mais je voulais savoir s'il y avait des gens de blessés, si on pouvait avoir le nom de quelques personnes qui manquent, surtout du côté des médias écrits de Montréal. C'est sûr que heureusement CUTV est toujours là pour être témoin de tout ça. J'entends souvent les gens critiquer le travail de la police, mais oublions pas que la police est un instrument. C'est des mandats politiques qui leur sont donnés pour appliquer dans certains contextes ou pas appliquer. Donc ceux qui sont à critiquer, c'est pas les individus policiers qui sont là, ils sont aussi victimes finalement de cette loi et de ces politiques absurdes. Alors merci pour votre bon travail, merci pour votre bon travail. Oui, alors Monsieur Kadir, est-ce que vous pensez qu'il y a des recours possibles pour les gens qui sont à l'intérieur? Qu'est-ce que vous en savez? Moi, je pense que s'ils sont arrêtés suivant la loi 78, c'est une chance pour eux parce que la loi 78 n'est pas vraiment constitutionnelle. On peut le contester de plusieurs façons. Si c'est des accusations criminelles, ça c'est autre chose, mais on sait que les arrestations de masse depuis 2003, en fait depuis 2001 qui ont été pratiquées, tous les gens qui ont été raflés dans des arrestations de masse au Québec ont eu gain de cause, on a abandonné les charges contre eux. Donc il ne faut pas craindre à long terme, ça c'est des tentatives d'intimidation pour apaiser la colère populaire, ce qui évidemment va encore une fois échouer étant donné ce qu'on a vu au cours des trois derniers mois. Mais keep on the good work. Oui, juste une dernière question sur la liberté de presse, parce que je sais que la dernière fois qu'on vous avait vu, vous aviez parlé avec le ministre Dutil et... La liberté de presse a été attaquée encore ce soir de façon très grave. Il y a quelques journalistes, je pense, d'arrêter. Vous avez été encore poivré? Oui, exactement, et brutalisé. En fait, j'ai eu un coup à la tête personnellement. Mon dos aussi a été Alors, pour ça, touché. Je comprends que tu as reçu la matraque, mais ce n'est pas le policier. C'est l'ordre derrière qui lui ordonne de faire ça. A-t-il le choix comme salarié de ce système? Je comprends qu'on peut toujours invoquer la conscience des gens, mais il y a dans l'ordre, je dirais, dans l'ordre des responsabilités beaucoup plus lourdes du côté du politique, du côté des commandants, du côté de ceux qui manipulent l'information en transmettant des informations tronquées. Finalement, le pauvre policier ici est un simple moyen, c'est l'extension du bâton. Le véritable responsable, c'est le système et le patronat qui pousse le gouvernement à se comporter de manière aussi intransigeante. Est-ce que vous encouragez les manifestants à continuer à manifester en défiance à la loi 78? En fait, les manifestants ne défient rien. Ils font respecter leurs droits constitutionnels à manifester, de s'associer librement. Donc, les manifestations et les manifestants soi-disant illégales suivant la loi 78 sont dans l'illégalité à cause d'une loi illégale et anticonstitutionnelle. Autrement, ces manifestants
exercent leur liberté démocratique de manière tout à fait constitutionnelle, reconnue par les chartes. Et quand bien même qu'une loi injuste en viendrait à défendre les gens d'exprimer leur opinion, il y a une loi supérieure à celle-là, qui est la liberté des individus et des collectivités à exercer leurs droits quand l'injustice prime. Et cette loi-là, je pense, est respectée par les manifestants. Merci beaucoup de votre attention. Merci à vous. Oui, bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. That was Amir Kadir, the only representative of Québec Solidaire in the National Assembly. He came out tonight after getting the news of the number of arrests taking place right now on the corner of Sherbrooke and Saint-Denis. And as he said, the people being detained may be detained tonight, but this is simply a political game. The people demonstrating have a constitutional right to do so, and in this sense, regardless of whether they are charged under Law 78, they will not be able to be charged as they are protected by our Charter of Freedoms. So now, improvised sit-in in solidarity with the hundreds of people at the corner, the east side of Saint-Denis, of Sherbrooke and Saint-Denis. Bonsoir, vous avez amené votre casserole. CUTV Montréal en direct, ça va? Je regarde le stream et tout. Moi, je regarde le stream sur live stream. Et... Est-ce que vous le regardiez ce soir? Moi, je regardais avant de venir, ouais. Et c'est ça qui vous a fait venir ou qu'est-ce qui vous a fait venir? On sait que ça vient, ça se passe vraiment tous les soirs, donc on voit vraiment ce qui se passe. Nous, on n'est pas d'ici, on est français, donc on voit vraiment. On est là depuis le début des manifestations, on voit vraiment comment ça se passe et bah là on trouve ça de plus en plus laborieux le comportement des policiers, mais bon. Du coup nous on peut pas vraiment participer parce que nous on peut avoir de gros problèmes si on se fait attraper. Du coup on doit rester plus à l'extérieur, mais on soutient vraiment maintenant les étudiants et surtout de rester pacifique. Et surtout que le monde s'y intéresse plus et là ça commence vraiment, genre ce qui paraît aujourd'hui c'est passé sur France 2. Et là, il faut que ça continue et qu'il se fasse vraiment voir et du bon côté, genre pas du côté de la manipulation des médias qui montre une certaine violence des jeunes, alors que c'est totalement l'inverse. Et il faut vraiment être vu du vrai côté de ce qui se passe vraiment. Et pour ça, il faut continuer. Et comme ça, le monde va de plus en plus voir vraiment la réalité et ça changera, je pense. Merci de votre solidarité. Bonne soirée. Merci.